Il est 18h, mercredi 5 février 2020. Vous êtes à l'heure, nous aussi. Nous sommes ensemble pour une petite heure d'actu et de découverte en Savoie-Mont-Blanc. Pour accès direct, vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc. Un jour, une station nous emmène à la découverte de nos stations, vous le savez, cet hiver. Ce soir, direction Avoria avec le directeur de l'Office de tourisme. Nous resterons en montagne, ensuite du côté de Saint-Gervais. Le dernier numéro de l'Alpe nous présente cette station atypique. Le rédacteur en chef Pascal Cobert et Julien Peloux, guide, me rejoindront dans quelques minutes. Partir en vacances, basket au pied, allier trail et découverte d'une région du monde, c'est l'ambition d'une agence de voyage un peu particulière, son nom Trail the World. Les cofondateurs viendront nous en parler tout à l'heure. Et on va rester en montagne, c'est décidément une émission très montagne, ça fait plaisir. Je reçois les cofondateurs de l'agence Trail the World, Frédéric Morand et Maud Deps. Ils ont imaginé donc cette agence atypique. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors vous avez décidé d'associer le trail et les vacances pour caricaturer l'effort et la détente. Il y a des gens que ça intéresse. Et oui, ça existe. Ça existe. Oui, on est parti de ce constat-là. En fait, il y a quelques années avec un ami, on voulait aller faire une course à l'étranger. Et on s'est dit, c'était compliqué aller faire le site internet, etc. Trouver les infos, c'était en espagnol. Voilà, c'était compliqué. Et donc, on a été faire cette course. Et au retour, en rentrant, on s'est dit, ça pourrait être sympa si on amenait du monde sur cette course. Et on les aidait à visiter la région, l'île, parce que c'était sur une île aux Canaries. Et du coup, l'idée a germé. Et en rentrant, on a fait le petit bout de chemin. Et puis, jusqu'à ce que je rencontre Maud. Qui oui, était en fait, en tour du monde. Moi, je suis partie pendant que Fred a eu cette idée avec un de ses amis. J'étais en tour du monde pendant 2 ans. Un tour du monde un peu spécifique, c'est toujours la course à pied. Donc, j'ai couru une vingtaine de courses dans une trentaine de pays pendant 2 ans, toute seule. Et de mon côté, je me suis dit, ça serait sympa de faire découvrir ces courses à des coureurs français et les emmener un petit peu découvrir pas que la course et l'endroit dans lequel on va courir. Parce que ces courses, elles sont souvent dans des endroits sympas à voir, à faire découvrir. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est il y a des milliers de trails dans le monde. D'aller sur une course et de découvrir derrière ce qu'il y a autour. Parce que quand on court en nature, normalement, on a priori des beaux paysages, plus que si on courait en ville. Exactement. Et l'idée, si on va au Chili, par exemple, ou si on va à Bornéo, c'est pas d'aller là-bas 3 jours seulement pour faire la course. L'idée, c'est après de faire du tourisme, vraiment de faire profiter les gens. La course, l'effort et après le tourisme pour visiter la région. Ouais. Donc là, ça fait un an à peu près que vous avez lancé cette agence. La dynamique du trail, elle est très forte. Il y en a, voilà, vous l'avez dit, il y en a de par le monde beaucoup. En France aussi, ça se développe énormément. Comment ça se passe pour le moment? Est-ce que vous avez trouvé ces vacanciers trailers? Alors, oui. ça se développe pas mal. On a en avril, ça fera 2 ans qu'on a l'agrément agence de voyage. Donc, on a fait déjà voyager à peu près 150 personnes et toujours de plus en plus de demandes. Là, l'année 2020, on a de grosses perspectives. Donc, on voit que l'engouement est là. On a de la chance d'être en France. En France, c'est vraiment le pays du trail dans le monde. C'est vraiment reconnu pour ça. Donc, c'est pour ça, nous, on a de la chance et on a de beaux jours devant nous. On espère. L'objectif, c'est de faire partir des Français dans les trails à l'étranger, un peu ce que vous avez fait dans votre tour du monde, ou vous aux Canaries, manifestement, mais aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pense notamment forcément à l'UTMB. L'objectif, c'est aussi d'attirer des touristes sur les trails français. Alors oui, alors nous, l'idée de base, effectivement, c'était de faire découvrir des pays à des Français. Et en fait, comme on est le pays du trail, comme Fred le disait, d'amener des étrangers en France, on peut totalement le faire aujourd'hui parce qu'on est une agence de voyage aussi qui peut être réceptive à l'heure actuelle. Donc ouais, à long terme, c'est un petit peu l'idée de l'agence de voyage. Vous travaillez du coup avec les organisateurs des courses. Encore une fois, si je cite l'UTMB, c'est compliqué de s'inscrire à l'UTMB. C'est la course au clic parce que ça part très très vite. Vous pouvez être facilitateur de ce genre de désagrément. Exactement, c'est notre rôle. On essaie de faire ça avec la plupart des trails dans le monde. L'idée, c'est qu'à terme, on est quasiment une solution logistique pour aller faire n'importe quelle course dans le monde. Alors, on ne va pas y arriver tout de suite, c'est compliqué, et on n'y arrivera certainement pas à faire du 100%. Après, il y a les courses, c'est plus compliqué. L'UTMB, il y a un système de points, il y a un système de tirage au sort.
Donc, on ne peut pas avoir des dossards pour des personnes, puisque c'est un système compliqué. Il y a d'autres courses, de plus en plus de courses qui sont à tirage au sort. Donc là aussi, c'est compliqué parce qu'il faut un certain nombre de points. Donc, on est en partenariat avec certaines courses. La plupart des courses sur notre site, où on propose des voyages, des packages pour aller les faire, on est en partenariat avec les organisations. Les courses où il y a des tirages au sort, c'est un peu plus compliqué parfois. En termes de tarifs, ça va de. Après, je suppose que ça dépend de la destination, mais ça va de quoi à quoi? Alors en fait, on a tous les tarifs parce qu'on a différentes offres. On a des dossards. Donc là, on peut aller d'un dossard qui est à 10 euros jusqu'à un voyage qui peut aller être sur mesure à 6 000 euros. Donc c'est vraiment en fonction du budget. Et comme on le disait tout à l'heure, l'idée, c'est de proposer la solution pour aller voyager dans n'importe quel pays en fonction du budget de la personne. C'est-à-dire que si la personne elle a un budget assez limité, ben on va lui proposer un package plus réduit. Alors que si la personne elle veut partir, je ne sais pas moi, en Mongolie, ben là, on lui proposera un package un petit peu plus important. Quoi dire à quelqu'un qui n'avait pas encore, qui court, qui aime courir dans la nature, mais qui n'avait pas encore l'idée d'associer cette discipline sportive-là aux vacances? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes? C'est que il faut oser, il faut oser se lancer. Il y en a beaucoup en fait qui ont encore peur, qui ont l'impression que on leur dit trail à l'étranger, qu'on va les envoyer faire un 160 km perdu dans les montagnes. C'est pas le cas du tout. Toutes les courses qu'on recense et avec qui on travaille, il y a toujours plusieurs distances. Ça peut aller de 10 km à 350 km. Il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les niveaux. Donc, il faut vraiment pas hésiter et savoir que ça existe. En fait, nous, on se veut vraiment facilitateur d'accès à des courses partout dans le monde, en fait, pour aussi faire les vacances en même temps. Et en plus, on approche tout doucement des vacances d'été. C'est le moment de regarder un petit peu quoi faire cet été. Donc, je vous invite à aller voir sur le site trailstheworld.fr ou encore sur votre page Facebook. Merci Merci. beaucoup à tous les deux. Tout de suite, c'est la pub et juste Merci. après, le JT.